soit bien un nombre réel quelconque. Peut-on dire que l'équation 6x² plus bx moins 15 égale 0 d'inconnu x admet deux solutions distinctes pour toute valeur de b? Essayons de justifier notre réponse. Quand une équation de second degré a des solutions? Évidemment, quand delta est strictement supérieur à 0, alors il y a deux solutions, x1 et x2. Deux solutions distinctes. Calculons delta. Delta égale b carré, c'est noté avec b, moins 4 fois a fois c. Moins 4 fois a fois c, qui est égal à b carré, moins 4 fois 6 fois moins 15, ça fait plus, plus, 4 fois 15, 60 fois 6, 360. Et raisonnons un tout petit peu, il est comment ce nombre? B carré, il est toujours positif. Que b soit positif ou négatif, b carré est toujours positif. Hein? C'est évident. Et plus 360, ça c'est strictement positif. Pour tout b, réel, bien sûr. Pour le nombre imaginaire, strictement imaginaire, en terminale S. Du coup, on constate, vu que delta est strictement positif, que cette équation aura toujours deux solutions distinctes. Si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier en remplaçant b par diverses valeurs et calculer toujours, résoudre l'équation. Toujours, il y aura deux solutions distinctes. C'est comme ça.